Salut, c'est Vincent, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet qui est extrêmement intéressant. On va parler aujourd'hui de la structure musicale. Tu le sais, si tu me suis, je suis quelqu'un qui te donne énormément de conseils sur le métier de DJ pour savoir comment tu vas développer ton activité, comment tu vas trouver tes clients, comment tu vas vendre tes prestations. Et aujourd'hui, je voudrais me consacrer un petit peu plus au cœur de notre métier, c'est-à-dire la musique, les techniques de mix et tout ce qui gravite autour. Et on me demande beaucoup de parler de la structure musicale. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui à travers cette vidéo. Donc si tu aimes le contenu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu me découvres. Alors cette vidéo, elle va se séparer en deux parties. D'abord, on va parler vraiment un peu plus de la théorie, mais tu verras, je te rassure, je ne vais pas te prendre la tête avec des choses compliquées, ça va être très simple et très limpide. Et ensuite, on passera à la pratique. Alors moi, je ferai ça, la démonstration sur le S4 MK3 de chez Traktor, mais tu verras, tu pourras faire ça sur n'importe quel contrôleur. Ok? Alors, déjà, il faut savoir une chose, si tu veux devenir un bon DJ, si tu veux bien mixer, si tu veux faire des belles transitions sans forcément faire des choses qui soient compliquées, il y a trois règles à respecter qui sont primordial si tu veux mixer dans de bonnes conditions, faire des beaux mix énergiques et qui soient jolis à l'oreille. Le premier, ça va être de travailler sur ton BPM. Le BPM, je te le rappelle, tu le sais certainement, mais je te fais une petite piqûre de rappel. Pic, 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 pic. Le BPM, c'est le battement par minute. C'est-à-dire, c'est le nombre de temps que tu vas retrouver sur une minute et forcément, ça va jouer sur le tempo de ton morceau. Et avec le pitch tempo ici qui est sur le contrôleur, on va soit accélérer le morceau, soit le ralentir. L'idée, c'est de mettre les deux morceaux au même niveau. Ça, c'est la première chose, savoir bien mixer à tempo. La deuxième chose, et c'est sur ça qu'on va travailler aujourd'hui, c'est la structure musicale. Comment on analyse un morceau, à quel moment on sort le morceau et à quel moment on rentre le nouveau morceau qu'on veut mixer. Donc, on va vraiment se concentrer sur ça aujourd'hui. Et le troisième point, il y a trop peu de DJ qui le prennent en compte et pourtant, c'est super important, c'est d'utiliser l'harmonie des morceaux pour avoir des mix qui soient jolis à l'oreille. Pour ça, tu peux t'aider, entre autres, de la roue de Kaamelott. Alors, il ne faut pas que tu vois, si tu veux, ta track comme un seul bloc. Il faut que tu comprennes que dans cette track, dans ton morceau, il y a plusieurs petits blocs qui vont venir s'imbriquer. Les blocs, tu les connais forcément, on les retrouve dans tous les styles de musique, soit de la pop, du R&B, de la house, de l'électro, du rock'n'roll, peu importe. Tu auras toujours une intro, la plupart du temps, c'est ce qui va poser un peu le morceau, tu vois, en mode, on se met bien. Ensuite, tu vas avoir le couplet, en anglais, on appelle ça verse. Le couplet, c'est ce qui va raconter l'histoire en fait, de ton morceau. Hein. Ça va être les paroles, ça va être les nappes de piano, etc. Les instruments qui vont venir se greffer au fur et à mesure. Ensuite, tu vas voir le refrain, ce qu'on appelle le chorus en anglais. Et juste avant le refrain, tu vas voir ce qu'on appelle le pré-refrain. Donc le pré-refrain, c'est pour amener de l'énergie pour le refrain. Parce que le refrain, c'est ce qui va nous rester dans la tête, c'est le truc qui va tabasser. Donc du coup, pour amener de l'énergie sur le refrain, on fait un pré-refrain. Et cette structure musicale, tu vas la retrouver dans tous les morceaux. Tu vas retrouver également le pont. Alors le pont, ça va être une cassure dans le morceau qui va permettre justement de varier, parce que l'idée d'un morceau, c'est de monter, 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 descendre, monter, descendre. Ok ? Donc pendant le pont, ce qu'on va faire, c'est qu'on va souvent varier les rythmes, varier la rythmique. On va aussi souvent mettre un instrument en avant, de la guitare, du piano, enfin un petit solo d'instrument. C'est vraiment un petit moment à part, un petit moment beaucoup plus calme pour repartir ensuite sur le refrain. Et on termine les morceaux, la plupart du temps, avec une outro. Alors, l'intro et l'outro, ça, tu vas vraiment les retrouver dans les musiques extended. Ça, c'est très bien pour mixer, c'est-à-dire que c'est des versions longues. Sur des versions radio-edit, il n'y aura peut-être pas forcément d'intro et on va passer tout de suite sur le couplet et il n'y aura pas non plus de outro. De outro, comme on dit bien en français avec l'accent bien français, d'accord? Donc ça, tu le connais forcément, mais il va falloir apprendre à les repérer et je vais t'apprendre à le faire dans cette vidéo. Quand on joue de la musique électronique, de l'EDM, de la house, de la tech house, de la progressive, c'est exactement la même chose, sauf que les termes sont différents. Et on va se concentrer aujourd'hui sur ce type de musique-là, parce que j'aime bien, et donc du coup, j'ai envie de te faire partager ça. Alors, me demande pas pourquoi c'est pas les mêmes termes, je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que c'est les mêmes parties. Ça veut dire qu'une intro restera une intro. Le couplet, on va appeler ça un break ou un breakdown. Le pré-refrain, en français, on va appeler ça une montée, et en anglais, on va appeler ça un build-up. Et ensuite, on va arriver sur le refrain, on va appeler ça un drop, et c'est tout. Donc la musique électronique, ça va être tout le temps la même chose. Ça veut dire que, je te fais un petit schéma, ça veut dire que sur la musique électronique, comme je te l'ai dit, de l'EDM, de l'électro, etc., tu as ton intro. D'accord ? Ensuite, tu vas voir le break. Ensuite, tu vas voir le build-up.
et ensuite tu vas voir le drop. Et cette structure-là, break, build up, drop, elle va se répéter. Il est possible qu'on peut enchaîner, par exemple, deux drops d'affilée. Ça, c'est vraiment le producteur aussi qui va décider comment il construit son titre. Mais principalement, on va voir ça et on va terminer ici avec une outro. D'accord? Donc ça, en général, on l'a deux fois. Donc ça, c'est vraiment les cycles que tu vas retrouver. Il y en a un quatrième qu'on retrouve également dans la musique électronique, c'est ce qu'on appelle le breakbeat. Alors c'est quoi le breakbeat? Quand tu es ici par exemple sur ton drop, donc on a notre intro, on va voir le break qui va être au même niveau, ok? On va voir du coup la montée, c'est-à-dire le build-up, pour exploser sur le drop, d'accord? Donc ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, et bam, ça explose. Et ensuite, on va redescendre sur le break. Tu vois? Comme je viens de te l'expliquer. Sauf que, on a la possibilité ici de rajouter ce qu'on appelle un breakbeat. Un breakbeat, hop. Pourquoi? C'est simplement au niveau du drop ici, pour ne pas avoir une cassure trop brutale, on va passer par un stade intermédiaire qui est le breakbeat, tout simplement. On ne le retrouve pas toujours, mais des fois on le retrouve. Donc c'est simplement un refrain qui va être un petit peu moins puissant pour se concentrer sur l'arrivée du break. Ok? Donc ça c'est la première chose. Donc bien connaître les structures intro, break. Souvent tu vas retrouver des nappes dans le break. Build-up et drop et outro. Et ça va se repérer comme ça. Tu verras après, je vais te prendre une track et on va l'analyser ensemble. Une fois qu'on sait ça et qu'on arrive à repérer les différentes sections qui sont dans ma track, on va pouvoir se concentrer sur la phrase musicale. Une phrase musicale, ça va être le couplet qui va être chanté, ça va être un instrument qui va être joué, et c'est comme quand tu parles, si je rencontre quelqu'un, si on se croise dans la rue, je dis « Ah, salut mon pote, tu vas bien, tu sais que hier j'ai... » Bah hier t'as quoi? Fini ta phrase, ça veut rien dire, tu vois? Eh bien en musique c'est pareil. Quand on commence une phrase, on va jusqu'au bout. Ça veut dire qu'on ne va pas mixer un morceau en plein milieu d'un refrain, on ne va pas mixer un morceau en plein milieu d'un couplet, on va attendre que cette phrase se termine. D'accord? Et les phrases vont, la plupart du temps, se regrouper sur 32 temps ou 16 temps. Ça veut dire que la phrase musicale, c'est soit 32 temps, d'accord? Soit 16 temps, ou éventuellement 8 ans, mais c'est un peu plus rare parce que c'est un peu plus court. La plupart du temps, ça va être 16 et 32 temps. Okay? Comment on va pouvoir repérer ça sur notre morceau? Ben, tout simplement en comptant. On va faire la petite démonstration du coup avec l'ordinateur. On va prendre une track, on va l'analyser, et ensuite, je vais te montrer comment tu vas pouvoir passer à la pratique pour enchaîner et mixer tes morceaux de façon homogène. L'avantage des contrôleurs et des ordinateurs d'aujourd'hui avec la technologie, c'est qu'on va tout de suite pouvoir voir où sont nos sections de notre track. Ici, j'ai pris du coup un morceau qui est électro, tu vois, un peu d'EDM. Donc, on voit bien les différentes parties déjà sur notre morceau. On voit bien qu'ici, on a le début, donc ça va être l'intro. Là, on va voir la deuxième partie de l'intro pour arriver sur le break. D'accord? On va écouter ça ensemble. Deuxième partie de l'intro. Et le break. D'accord? Ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut simplement compter combien de temps va durer ton intro. Combien de temps va durer ton break? Combien de temps va durer ton build-up? Combien de temps va durer ton drop? Combien de temps va durer ton outro? En sachant ça, tu vas pouvoir bien mixer les morceaux entre eux. Donc si je reprends notre exemple ici, on va compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32... 32 temps pour la première partie de l'intro. La deuxième partie de l'intro, tu vois qu'elle dure le même temps, donc elle va aussi durer 32 temps. Donc on a une grosse intro qui dure 64 temps, avec une première intro, une première partie de l'intro, une deuxième partie de l'intro qui va aussi durer 32 temps. Regarde.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, et boum! On passe du coup sur le break. Et là, on va faire exactement la même chose. On va compter, donc on sait que du coup, notre intro là dure 64 temps. On va compter combien de temps dure notre break, sachant que là, on va voir le drop, hein, tu le vois tout de suite sur les, grâce aux couleurs, on va voir le drop. Et juste avant le drop, en général, soit 8, soit 16, soit 32 temps avant le drop, on va voir le build-up, la montée. En fait, on va l'entendre avec les kicks qui vont taper un peu plus fort et qui vont surtout s'accélérer. Ça va faire un roulement, regarde. Donc on est ici. Là, ça va s'accélérer. Le drop. D'accord ? Et donc, du coup, en musique électronique, c'est comme ça qu'on va construire nos morceaux. Avec des intros, des breaks, des build-up et des drops. D'accord ? Mais alors, à quoi ça sert de savoir que notre intro dure 64 temps, que notre break dure autant de temps, que notre build-up dure autant de temps, que notre drop dure autant de temps ? Je vais reprendre mon petit schéma. On a notre morceau qui tourne. Intro. D'accord ? Donc, le morceau... Intro, break, build-up, drop, break, build-up, drop, qu'on peut jouer plusieurs fois, et on va voir du coup après notre outro, d'accord ? Eh bien, je vais pouvoir enchaîner par exemple mon outro avec mon intro, ça c'est une première façon de faire. Je vais pouvoir également enchaîner, je ne suis pas obligé de rester sur cette partie-là, je pourrais très bien enchaîner mon second morceau, mon intro, l'enchaîner sur, avec la outro qui va durer le même nombre de temps. Je pourrais l'enchaîner sur le drop. Tu vois ? Pourquoi ? Parce qu'on a vu qu'après une intro, on a un break, on a le couplet qui va commencer. Et donc du coup, on va respecter cette structure musicale parce qu'après le drop, on a aussi un break qui démarre. Donc je peux très bien enchaîner... mon morceau entrant avec une intro pendant que le drop est en train de tourner. Et comme ça, on va arriver sur le break dans tous les cas. Je vais te faire la démo juste après. D'accord ? Et puis après, tu verras qu'on pourra aussi enchaîner des morceaux sans se concentrer sur de l'intro, mais simplement, uniquement sur les drops qui apportaient énormément d'énergie. Maintenant qu'on a compris ça, on va passer à la pratique. Première étape, tu poses un point cue sur le début de ton outro. Alors... du morceau que je suis en train de jouer. Tac. Qui se trouve ici. Un point cue. Deuxième étape, tu lances ton morceau jusqu'à l'outro. Troisième étape, tu envoies le début de ton intro avec le play et tu l'envoies exactement sur le début du premier temps de ton outro, là où tu as posé ton point cue. Quatrième étape, je monte le fader du morceau que je suis en train de mixer et simultanément, je viens baisser les basses du morceau sortant. Qui me fait une belle transition. Et ici, dans l'exemple, j'ai terminé avec une réverb sur les 4 derniers temps de l'outro, pour sortir de façon jolie. Ce que j'ai la possibilité de faire aussi, c'est d'enchaîner, d'inverser les drops. Ça veut dire que, au lieu de partir sur le drop initial du track A, je vais partir sur le drop du track B. Et pour ce faire, j'enlève les points cue, pour ce faire, je vais utiliser cette fois-ci les montées. Donc ça donne ça.
Pourquoi ça match bien? Parce que, comme je te l'expliquais en début de vidéo, ça match bien parce que les deux morceaux sont dans la même tonalité. J'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as aimé le contenu. Dis-le moi en commentaire, c'est important pour moi d'avoir ton retour, savoir si je continue dans cette ligne-là, si ce format t'a plu, ce nouveau format de vidéo. Et si tel est le cas, je ferai d'autres vidéos sur le même sujet où on va aborder pas mal de techniques de mix, c'est-à-dire le cœur de notre métier, la musique. Donc n'hésite pas à me laisser un petit commentaire et à t'abonner à la chaîne avec un petit pouce bleu. Si ça t'a plu, je te dis à bientôt. Ciao! We'll be right back.